Salut tout le monde, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, Fortnite. Donc Fortnite, j'ai pas fait depuis pas mal de temps. Et là c'est Noël, voyez, une belle ambiance Noël, regardez. C'est magnifique, j'ai même eu un skin chien de Noël. Il y a plein de choses de Noël, c'est magnifique. Donc il y a plein de trucs là dans le menu, je suis pas très habitué. Donc regardez là, rien que ça, je sais pas trop ce que c'est. Là on a ça, apparemment c'est des cadeaux hivernaux. C'est apparemment, je pense c'est le calendrier de l'avant. Je suis pas allé sur Fortnite depuis pas mal de temps. Donc regardez, là on a des fêtes hivernales, des défis, plein de trucs à gagner, donc je sais pas ce que c'est. Oh là on a un skate, une pioche caboche de Noël. Voilà, c'est la bizarre. Et même une musique, attendez. Ah oui, c'est la danse bizarre là, comme ça. Voilà, d'accord. Ensuite, on a. Ah ouais, il y a toutes les planches. Planche 2020, ski. Casse-noisette glacée. Oh, que t'as de neige, sympa ce sac. On a une bannière. Oh, excellent, c'est un planeur 2020. Je me rappelle, il y avait eu des planeurs, enfin des équipements pour les fêtes, des skins et tout. Des sons disco. Ah ouais, excellent. Le planeur d'année dernière, si je me trompe pas, c'était. Ouais, ça fait déjà un an, hein, vous imaginez. C'était lui. C'est lui si je me trompe pas. Il était génial, hein, il faisait de la musique et tout, il était vraiment cool. Hein. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Bref, en tout cas, boutique d'objets, voilà. Donc la boutique est juste énorme. Donc regardez, là on a plein de skins Star Wars. Voilà, donc moi j'ai pas participé à l'événement Star Wars. Traître. Waouh, magnifique. Donc je pense que la plupart de vous l'ont déjà découvert, mais bon, moi je vais regarder. Hein. Ah, j'ai eu ça, j'ai la bannière. Ah, elle est gratuite pour ça. Ah non, en fait on me l'a offert, ok. Oh, ah ouais, il est clairement magnifique ce planeur. Ici, on a un Sith Trooper en rouge, ok. Ouais, très beau aussi, hein. C'est vrai que c'est bizarre de voir ces skins-là sur Fortnite. Ah ouais, ah, le fameux Kylo Ren. Voilà, donc c'est pour le nouveau Star Wars, hein. Je pense que vous l'aurez deviné. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Donc, les skins de Noël. Donc, on commence avec Guirlandine. Ensuite, on a 12 liesses. Voilà, bon, je connais pas. Oh, enfin, je suis dans le bon jour avec le bon nombre de V-Bucks. Enfin, je vois cette pioche. Je vais enfin pouvoir l'acheter. Après tout ce temps, voilà la pioche de Noël, cette fameuse que déjà tout le monde a acheté, je pense quasiment. Tous ceux qui achètent dans le jeu, hein, je précise. Enfin, cette pioche est là, on va l'acheter direct. Hein. Sucre d'orge, achat réussi. C'était plus fort que moi, vous voyez. Et il y a ça aussi, je sais pas trop ce que c'est. Donc on va entrer dedans. Hein. Bienvenue. Oh là, il y a un truc. Oh, je vais prendre lui, le vaisseau là. C'est un cadeau. J'ai eu quoi? Attends. J'ai un planeur. Ah ouais, au calme, on m'offre ça. Le faucon millenium en planeur. Bah écoutez, volontiers. C'est quoi ce cadeau de malade? Ok, donc là on a un. Ah, on va pas ouvrir tout ça. Il y a tous ces cadeaux. Oh. On est là encore pour longtemps, hein, tous les cadeaux que je vais ouvrir. Donc ce que je propose maintenant qu'on a déjà ouvert tout ça. C'est peut-être qu'on regarde la cinématique, parce qu'il y a aussi une cinématique de Noël, bien sûr. Hein. C'est parti, petite cinématique de Noël. Excellent, alors je sais pas si c'est ça que toute la vidéo, mais c'est excellent, j'adore. J'ai limite envie de trop la re-regarder. Bref, c'est parti, notre première game pour Noël. On a eu plein de cadeaux, hein, vraiment. Fortnite Line, c'est le Père Noël, voilà. On va voir si j'ai encore un niveau pareil que celui de Tifu ou Ninja. Ah ouais, c'est vitesse lumière. Oh, il est magnifique. Regardez en plus les détails. Il est hyper stylé. Magnifique planeur, il est incroyable. Bien sûr, on a des armes dès le début. Oh ouais, en plus... On a un pistolet, qu'est-ce que vous allez faire? Allez! Moi j'ai un pistolet, vous pouvez rien faire de toute façon. C'est vraiment nul parce que je suis trop loin pour toucher. Ok, donc. À lui il a une mitrailleuse donc c'est pareil pour lui. Ok, il était complètement bugué. Ah, du coup ça allume une guirlande. Bah, trop bien. Hein. Oh, génial! Ouais, j'avais aucune chance de toute façon. Il avait un pompe, mitrailleur et tout. Bon, j'étais pas loin de le tuer. Hein. Il y a le gars juste là. Ça va, tranquille. Ah, t'es bien toi? Ouais, ça va, relax. Ouais, c'est bien la vie tous les jours. J'arrive pas à viser, ça m'énerve. Ah! Ah, son sabre laser qui lui permet de se défendre. Mais
Qu'est-ce qu'il peut faire avec son sabre laser sinon? Alors déjà il peut pas me tirer dessus donc c'est positif. Et comment le tuer si c'est pour laser? Il y a cette option là aussi hein. Ok. Waouh, enfin! C'est quoi sabre laser là qu'il avait? C'est ça là? Oh, c'est énorme! Et tu peux te défendre avec ce truc! Je savais même pas ce que c'était hein, pour vous dire. Hein. Bon, j'ai fini par l'avoir. Hein. Il avait pas l'air très fort. Je sais pas. Hein. Mais non, mais sérieux, abusez pas là! Vous allez pas me dire que l'eau elle est pas à la bonne pression? Ok, moi bon, je meurs de la zone. Ben ouais. Ok, bon bah ouais. Ok, on relance une partie du coup, j'ai pas bien compris le truc, mais bon. Allez, go, prochaine partie. C'est quoi ce machin? Oh, c'est un coffre à sabre laser! Oh, vous avez tout ce qu'il... vous avez vu tout ce qu'il y a? Énorme! Il y a Ray, Luke, Kylo Ren et Mace Windu, je veux le violer moi! Stylé. Kylo Ren, ouais, il est rouge. Ok. Et Rey, c'est quoi, bleu. Moi, je veux bien celui de Mace Windu quand même. Mais après, est-ce qu'ils ont des puissances différentes? Bah, Kylo Ren, je sais pas. Est-ce que le lui, ça... Je fais un truc de style. Ouais, ça va mieux avec le rouge. On va prendre celui-là. Voilà, Kylo Ren en plus, c'est quand même le grand méchant. Un misérable Jedi s'oppose à moi. Quoi? Oh non, mais il m'a eu! Mais comment il a fait? Il lui reste combien de PV? Toi, je l'ai tapé beaucoup plus de fois que lui, hein. Oh, attendez, lui, je l'ai. Allez. Ah, c'est bien. Allez! Salut! Ok, là on est bien. Regardez, il y a deux guirlandes là qui s'allument. Encore un adversaire. Soit il est mort là, c'est bon. Bon, il m'énerve là. Allez. Allez, 3 kills. On est bien là. Je suis chaud. J'ai plus de balles. C'était trop beau. Mais allez, vous pouvez me passer des balles. C'est bon, j'ai des balles. Mais vous êtes beaucoup trop nombreux. Forcez pas. Vous pouvez éviter d'être 25 milliards là. Non. Mais non, à 22 PV près. Mais c'est une blague. Tout le monde se jetait sur moi. Non, non, là j'accepte pas. On refait une game. Je suis tellement deg. J'avais plus de munitions en plus, sérieux. Tiens, vilain. Bon, ouais, voilà. Ok, ça fait 20. C'est vraiment le truc super nul. C'est quoi tout ça là? Des Stormtroopers? Attends, entre les Stormtroopers et lui là? Néo contre des Stormtroopers. Ok, donc ils m'ont donné quoi eux? Oh, c'est des armes. Génial.
Alors, il est où le tricheur? Yes. Idéal. Donc du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas moi je me suis clairement éclaté, hein. C'était génial en Noël, voilà, les nouveautés, les sabres laser aussi que je ne connaissais pas avant, voilà maintenant je connais tout, je suis prêt pour faire top 1 dans une prochaine vidéo, dites-moi en commentaire si vous voulez la suite, voilà, pensez au pouce bleu, abonnez-vous, et suivez-moi sur mes réseaux sociaux, salut.